أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على محمد الطاهرين وعلى الله عليه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه ورضاه، في هذه الساعة وكل ساعة وليا وعفوا وقائدا وناصرا ودليلا عينا، حتى تسكنه أرضك ونتمتعه في عتوه برحمتك يا رب العالمين. اللهم صل. Commentaire de Duran Utba, 16e partie. Je l'ai appelé s'entretenir avec les infaillibles est une obligation. Ça va être une vidéo qui va être assez courte, puisque Cheikh Mohamed Sanat a répété d'une manière différente ce qu'il avait dit au début. Le message principal est dit dans ce que je vais vous dire. Donc là, Cheikh Mohamed Sanat, il revient sur le hadith, le riwaya, quand l'imam Saad alayhi salam, il est devant ses chiites et qu'il invoque l'imam al-Hujjah, qu'il s'adresse à lui, devant ses quatre, les quatre compagnons, comme je vais citer dans la leçon numéro 14. Et l'imam Saad alayhi salam, en s'adressant à l'imam Mehdi alayhi salam, il l'appelle Seyyedi. Alors que pourtant, l'imam Saad alayhi salam, c'est celui à qui on doit obéir. C'est-à-dire que les compagnons qui sont face à l'imam Saad alayhi salam, c'est à qui l'obligation, c'est une obligation d'obéir. Vajibetar. Et il a dit devant ses quatre compagnons, des compagnons de grande qualité, comme je l'avais cité. Et cette parole, Seyyedi, ce n'est pas une parole symbolique. On peut dire mon Seigneur, peut-être on peut dire cela en traduction. Car la lumière de l'imam al-Hujjah prévaut sur la lumière de l'imam Saad al-Risala. L'imam Mehdi est supérieur aux 8 autres imams qui sont après l'imam Hussein. C'est pour ça que l'imam Saad alayhi salam emploie cette expression. Ce n'est pas une question de sang. Ce n'est pas parce que l'imam Saad alayhi salam est l'arrière-arrière-grand-père de l'imam Mehdi qui serait supérieur. Ce n'est pas l'ordre comme chez les mukhalifines, où il y a un ordre historique, on va dire Abou Bakr premier, Omar tout de suite après lui, Osman, dans l'ordre du, ça serait un ordre de supériorité, il n'y a pas du tout ça. C'est comme avec Abdallah, alayhi salam, le père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, fi alam al-ahwa, dans le monde des esprits, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, est supérieur, sans aucun doute. Ou bien dans le monde des lumières, suivant votre définition. Pendant toute la nuit, l'imam Saad alayhi salam, il s'entretient, il invoque, il parle avec l'imam Mehdi alayhi salam. La question qui se pose, faisons-nous la même chose? Invoquons-nous les imams? Vraiment, on est très très loin de tout ça. Combien d'entre nous, ils font cela? Combien s'entretient avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Il est vivant, vous savez très bien. Les imams, l'imam Mehdi sont chargés. Et l'entretien avec le prophète, il est prioritaire. S'attacher au prophète, aux imams et à l'imam Mehdi, c'est très très important. Si on s'attacherait réellement avec eux, on serait honoré par l'imam al-Hujjah, les sages. Une des causes de notre échec, c'est le fait d'avoir coupé le lien qu'on devrait avoir avec les infaillibles, alayhi salam. L'imam Saad alayhi salam s'adressait à l'imam Mehdi alayhi salam, alors qu'il était encore dans le monde de la lumière, l'imam Mehdi alayhi salam. Il n'est pas encore apparu sur terre.
Et l'imam Saadia alayhi salam, il invoque tout en étant triste, en étant touché aussi par l'inondation de l'imam Sa envers l'imam Zaman des gens, l'abandon. Comme dans le Doua, notre bas. Dans le Doua, notre bas, nous trouvons les passages. Où il est répété, Azizun Ali, regardez. Azizun Ali Anoujaba Dunaka wa Onara. Azizun Ali Ayapir Kar Yatrullak Alwara. Azizun Ali Anyajira Aleika Dunahum Majara. Il m'est pénible qu'on me réponde et qu'on me chuchote des paroles plaisantes sans toi. Il y a une déchirure de l'imam. On devrait avoir une déchirure le fait que l'imam est absent. Il m'est pénible de te pleurer alors que tout le monde t'abandonne. Le même état que l'imam Saadia ressentait. Il est touché par les gens qui sont inattentifs envers eux. Il m'est pénible qu'il arrive à toi plutôt qu'à ceux, ce qui t'arrive. Qu'à eux, ce qui t'arrive. C'est-à-dire que c'est eux qui négligent les imams. C'est l'imam qui est occulté. Il souffre de la désobéissance de ses chiites. Ou chiite entre parenthèses. Parce que qui est réellement chiite, ça c'est une autre question. 6 minutes, bon, ça va être encore plus court que je pensais. J'ai terminé avec ce que j'avais à vous dire. Je vous ramène encore une histoire, le mémorial des justes, le tome 2. Le récit numéro 77, une épreuve de perspicacité. En fin de compte, aucun des élèves ne put donner une réponse exacte à la question posée par l'éminent professeur. Chacun proposa une réponse et aucune ne fut agréée. Parmi les piliers de la foi, lequel est-il le plus ferme de tous? Telle était la question que le prophète sallallahu alayhi wa avait énoncée devant ses compagnons. C'est la prière, répondit l'un d'eux. Non, dit le prophète sallallahu alayhi wa. La zakat, dit un autre. Non. Le jeûne, dit un troisième. Le pèlerinage à la Mecque, dit un autre. Le djihad, dit encore un autre. En fin de compte, pas un membre de l'assemblée ne put donner une réponse satisfaisante. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, tous les actes que vous avez nommés sont des actes élevés et pleins de mérite. Aucun d'entre eux n'est celui que j'ai demandé. Le plus ferme des piliers de la foi est d'aimer à cause d'Allah et d'abhorrer à cause d'Allah. C'est-à-dire que le wilaya, le bara, vis-à-vis des alliés, le wilaya, des alliés d'Allah, des alliés du prophète, des alliés des imams, alayhi salam, des alliés des chiites, et détester les ennemis d'Allah, les ennemis du prophète, les ennemis des infaillibles, alayhi salam, et les ennemis des chiites. J'en ai terminé. Inch'Allah, la prochaine vidéo sera sur les mercenaires de Mouawiya, les terroristes qu'on va appeler, vous allez voir pourquoi. Et après, je continuerai la suite toujours de Doua Notte Ba, la 17e partie. Et je commencerai par la suite de vous parler de la croyance, des croyances de la secte Bakri. Inch'Allah. Yaktafi Badr Qadr, wa sallallahu alayhi wa sallam, wa sallam alayhi wa sallam.